生财有道，致富从这里起步。各位好，我是韩东。今天啊，节目一开始，我要给各位介绍一个巨型小怪兽。睁大眼睛，瞧，怪兽来了。哇，两三只手，比我这个鞋大多了。我觉得这个真的是一个够大的体量，在水龟界，我觉得它应该算最大的了吧？你见过比它更大的小怪兽吗？有，对，哇，你看，比它大多了吧？30多斤。哇。Wang Daming pratique l'élevage de tortues depuis 14 ans. Nous sommes venus au village de Zhedong, du bourg de Pingyang, dans la ville de Beihai, région autonome Zhuang du Guangxi. Wang Daming, héros de l'histoire d'aujourd'hui, est très connu en ce lieu. Sa célébrité est due à ses trésors qu'il possède. Ce grand oiseau s'appelle comment ? C'est l'Asie du Guai. Oh, son nom a une phrase, c'est ça ? Il est très grand. Et sa particularité, c'est quoi ? Regarde, nous l'appelons de notre pays aussi, il s'appelle Mu Guai. Mu Guai, il s'appelle Qu Guai. Il est Qu Guai. Ah, il a des cornes. Oui, il a des cornes. Il s'appelle Mu Guai, tu vois. Il a des cornes sur le dos, c'est une forme de cornes.木纹的，其他的龟是没有这个特点的。对，其他都没有这个特点。还有什么别的？加上呢，它长得是特快的，特别快，特快，长这么大一只，10年左右就可以了。是吗？我以为乌龟生长速度很慢。我抱一下，这有多重？来吧，多重？30多斤。La tortue pesant plus de 15 kilos que Ran Dong tient dans ses bras est la tortue géante d'Asie ou la tortue géante d'Orient ou la tortue de bois ou encore la tortue aux dents de scie, relevant des testues d'inidés. C'est une tortue douce vivant dans les lacs, ruisseaux, marais et zones humides. C'est un reptile réparti largement dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, le Myanmar et la Malaisie. La position géographique particulière de la ville de Beihai au Guangxi et ses conditions naturelles avantageuses offrent aux tortues géantes d'Asie un habitat favorable. Ces dernières années, l'élevage des tortues est devenu un secteur phare de la ville de Beihai. Parmi tant d'espèces de tortues élevées, les tortues géantes d'Asie se développent favorablement. Wang Daming, héros de l'histoire d'aujourd'hui, y a apporté une contribution non négligeable. Quand son entourage parle de lui, il ne tarit pas d'éloges. Cependant, au cours de l'interview, nous avons entendu aussi d'autres opinions. Il fait tout ce qu'il ne peut pas. Il a mis tout ce qu'il a mis. 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 Après chaque échec, il empruntait de l'argent pour recommencer, mais il ne réussit pas. Est-ce que cet homme devant nous est Wang Daming ? Mais Wang Daming n'a pas nié ses faits. Est-ce qu'il y a quelque chose de suspect là-dessous ? Est-ce qu'il a essuyé des revers à l'insu d'autrui ? Alors nous invitons Wang Daming à nous raconter son histoire digne d'une légende. Comme tant d'autres militaires démobilisés, Wang Daming, qui a à peine dépassé la vingtaine, est devenu un employé d'une entreprise d'État. Il travaillait à des horaires fixes et touchait un salaire garanti. Logiquement, les jeunes auraient dû être insouciants et sans aucun scrupule. 300来块钱的工资，九十年代那时候刚刚退伍，五口人吃饭，那时候永远不够的。那我们的目标是这样的，说把我们的家庭经营好一点啊、能有口饭吃，我们也可以跟正常人一样的那种感觉出去。那时的目标是踏实就行了。Avoir l'esprit tranquille et mener une vie banale aux yeux des autres, c'est une vie un peu plus simple. Mais d'après Wang Daming, c'était une lourde charge pour lui. Pendant plusieurs années où il était dans l'armée, il s'est forgé une volonté farouche et inflexible. Il était conscient que pour se débarrasser de la pauvreté, il lui faudrait sortir du statu quo. 都是想找点适合自己想做的事情。Il a abandonné son gagne-pain assuré et a choisi de créer sa propre entreprise. Normalement, avant de décider de son choix, Wang Daming devait faire des préparatifs et élaborer un plan parfait. Mais par la suite, les choses sont allées à l'encontre de sa volonté. 先跟弟一起做个饭店，大概也经营不到一年吧，也全部没有了，亏得一塌糊涂。做了太多了，很多都忘记了。开个车吧，开个饭店吧，开个旅馆吧。反正我们所干的事情都失败，以失败告终。Au cours de ces années-là, les frères Wang ont changé beaucoup de métiers. On peut dire que quand ils ont tâté un métier, ils ont perdu de l'argent. Finalement, non seulement ils ont dépensé toutes leurs économies, mais ils ont aussi enfoncé leur famille qui n'était pas riche dans les dettes.
那个债已经说是说已经说想借钱的找不到人去借了，那个没钱做债我们也不清楚，那父母亲也没有愿意跟我们算这个数了。96年了以后啊，什么都做完了，这四年间我们亏的什么都亏完了。Il n'est pas exagéré de dire que Wang Daming a créé son propre malheur. Comment a-t-il pu s'engager dans une telle impasse? Wang Daming en avait le cœur net. Pendant les années suivantes, il vivait dans la hantise de l'échec. Dans les pires circonstances, le ciel offre toujours le salut aux hommes. Un voyage de 1998 a laissé aux frères Wang caresser un espoir. Ils étaient impatients d'essayer. Wow, 看到以前老妈那一班人。 Les Wang n'étaient pas ignorants des tortues. 九二年拿嘛拿回来，我们真的没看到什么都没看不到，天天看到两个龟在那里吃东西，一分钱都没有，说说都没有那种概念。 Wang Daming n'aurait jamais pensé que ces reptiles qui n'attirent pas les regards pourraient devenir une source de richesse pour lui. Wang Daming a commencé à s'impatienter pour essayer. Mais la réalité l'a rendu hésitant, parce qu'il ne savait rien de l'élevage, sans parler de l'expérience. Le plus important est qu'il ne savait pas si les siens le soutiendraient et d'où viendraient les fonds. Ainsi, les frères Wang ont-ils commencé l'élevage de tortues? Du fait qu'ils étaient débutants, ils n'avaient pas d'expérience, ni ne savaient quelle espèce élever et comment l'élever. Ils ignoraient tout de l'élevage de tortues, sans parler de l'état du marché. En tirant la leçon des échecs d'autrefois, Wang Daming, plus pondéré, a décidé d'acheter de jeunes tortues à bas prix. On a acheté un peu de À l'époque, celles qui se vendaient le mieux étaient les tortues de Chine et les tortues Huangsha. L'élevage de tortues brésiliennes est facile, mais on n'en tire pas un grand bénéfice. Ne pouvant faire autrement, les frères Wang ont écouté les conseils de leurs proches et amis et ont choisi une nouvelle espèce à élever. Alors, quelle était cette nouvelle espèce? Est-ce que cette espèce pourrait donner un bon rendement? Tout cela était incertain. Après avoir acheté la nouvelle espèce de tortue, les frères Wang ont trouvé l'élevage pas facile. La tortue américaine, alias tortue à carapace perlée, était à l'époque une nouvelle espèce, mais très rare étaient ceux qui en élevaient. Après avoir écouté les paroles de leurs amis, ils ont décidé d'élever des tortues à carapace perlée. Le comportement des frères Wang était incompréhensible pour les autres. Wang Daming, au caractère pondéré, avait sa propre idée et projet au sujet de l'élevage. Après avoir choisi l'espèce de tortue et aménagé un étang, les frères Wang ont commencé à se lancer dans l'élevage. Du fait qu'aucun n'avait élevé de tortue à carapace perlée, ils ne pouvaient pas en tirer d'expérience. Bien que Wang Daming éleva une nouvelle espèce de tortue inconnue de tous et qu'il fût profane en la matière, il voulait étudier celle-ci expérimentalement et procéder par tâtonnement. Il a décidé d'élever des tortues à carapace perlée pour savoir si la voie de l'élevage des tortues serait faisable pour lui. Il étudiait les techniques d'élevage et en tirait de l'expérience pour élever rationnellement des tortues à carapace perlée.
跟马老板对比一下嘛，你养三年有多大个啦，要打电话通一下，我养三年，哎呦，他不可能吧，你养十多斤啦，真的，我们养三年以后他是长了十多斤，他那个就不行，因为干嘛呢，就是单一饲料的问题。后面我们就开始拿红薯啊南瓜啊都拌在一起来喂啊，所以说那时候就是说是我们慢慢摸索出来的。Grâce aux efforts inlassables des frères Wang, l'élevage de tortues à carapace perlée se développait favorablement. En 2003, 2000 jeunes tortues à carapace perlée étaient écloses, ce qui a grandement encouragé Wang Daming. Mais comment vendre les tortues à carapace perlée? Il n'était pas facile de les transformer en argent comptant. Pour faire subsister la ferme d'élevage et ne pas abandonner son entreprise, ce qu'il pouvait faire était de poursuivre l'élevage. Il a été élevé pendant 6 ans, mais sa carrière n'a pas été très bonne. Par la vente à bas prix, les frères Wang pouvaient à peine équilibrer le budget de la ferme d'élevage. Cependant, en 2005, un incident imprévisible a plongé les frères Wang dans la perplexité. Aux yeux d'autrui, le nombre croissant de tortues et le taux élevé d'éclosion aurait dû être une bonne chose, mais Wang Daming croyait que c'était un malheur. Il semble que la mauvaise situation financière de la ferme d'élevage ait acculé les frères Wang dans une impasse. Un appel téléphonique lui annonçait une nouvelle au-delà de ses prévisions. C'était un bonheur inopiné qui leur est arrivé. Est-ce vrai que les tortues à carapace perlée qui n'étaient pas accueillies leur apporteraient des richesses? Est-ce que cette commande compenserait financièrement toutes les dépenses consenties depuis plusieurs années? Avec cet argent, ils ont remboursé les dettes. Wang Daming était plus confiant que jamais. Il sentait un soulagement et une joie inédite. Or, les premiers succès ne l'ont pas grisé. Il était conscient que sa persévérance était juste et que la réussite exceptionnelle découlait du fait qu'il avait suivi une voie peu ordinaire. Wang Daming pratique l'élevage de tortues depuis 8 ans. Quand nous lui posons la question, il a acquis qu'il s'agisse de la pâture, de l'incubation ou de la sélection de jeunes tortues, une bonne méthode. À ce moment-là, Wang Daming voulait adopter une nouvelle méthode d'élevage, mais quelle était donc la particularité de cette méthode? Nous avons fait un peu de temps.
那个时候看他可以把它给它遮了阴啊，这真的像在野外当中。对。但是你这个池子大是不是也有关系？有，你看嘛，家庭里面养的，你看家里面一个池子，它就局限了，可能放很多进去，一平方可能放到20个、30个。你看在我们野外的，我们就不用了，就给它有足够的空间，我们就2平米放一个。2平米放1个呀，就给它不是它，你看的看它这么大，它不是2平米放1个的概念，它是我们给了这么大个池子，活动的不一样。对呀，它可以满池子。对呀，满池子去跑。有了这样的养殖基地，王大明心里更是有了底。这一次他是要坚决走自己的路。首先第一点就是要自己选择一种龟来养。对于选什么龟，同行们那都是拭目以待。可是王大明的选择却让大家大跌眼镜。那个龟呢，一个是在北海当时也没有人养过，另外一个呢孵化期很长，感觉到它太便宜了，都没有什么前途。De là, on peut voir que cette espèce de tortue que Wang Daming a choisie était inconnue et que personne ne l'avait élevée auparavant. Cette fois, c'est lui qui a choisi l'espèce de tortue. Alors, quelle est cette espèce et pourquoi l'a-t-il choisie ?